Voici à l'intérieur des Walt Disney Studios. On voit que la place de front lot a été totalement refaite. Le sol est merveilleux et magnifique. Après tous ces mois de travaux, la fontaine a retrouvé son eau. Ça donne vraiment une ambiance vraiment particulière et magique. Le Studio 1 nous attend en espérant avoir un bel accueil. Pareil, là, le kart, le food truck est plutôt beau. Ah, là, on a aussi un super poster pour l'attraction Ratatouille. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, là, ça va être une belle journée. Allez. Je vais tenter d'être beaucoup plus efficace aujourd'hui et direction tout de suite, sans perdre de temps, l'attraction Cars. Et évidemment, Mickey. La musique est à fond la caisse, donc ça met tout de suite la pêche, ça réveille le matin. Donc les Walt Disney Studios, comme je dis souvent, sont en mutation, mais c'est vrai que... Oh, et là on a Dingo et Max. Ah ouais, non mais c'est... L'énergie ce matin, elle est au max, et c'est vraiment cool. J'avoue que la journée d'hier était, comme je le disais, dans l'émotion et voilà, dans la retenue, mais là j'ai vraiment envie de profiter au max. Dingo et Max nous font une petite performance. Je pense qu'elle aura lieu tout au long de la journée. Alors donc, mesure Covid oblige, pas de pré-show, on passe directement dans la bibliothèque et directement dans les coursives des ascenseurs. Pour monter à notre chambre. Bon, donc voilà, après le petit moment passé dans l'ascenseur. Donc là, c'est très joli. Hein. Donc évidemment, vous avez ici des écrans pour visualiser les photos. Et là, vous avez des props, des choses. Voilà. Très joli. Hein. Ça renforce l'immersion, hein. La storyline. Et là, après, on a donc la boutique avec les produits.
très joli t-shirt. Un lunch fly. Et donc voilà la boutique du Hollywood Tower Hotel. C'est nouveau. J'ai toujours pas vu. Très joli le suite là. Ah, le t-shirt Hollywood Studio, je connaissais pas. Walt Disney Studio plutôt. Très sympa. Ça va. Ouf. Le soleil tape déjà bien dur. Alors là, on a l'attraction Spider-Man. Ça avance bien. Ça va être très 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 important. Donc voilà pour le Hollywood Tower Hotel. Donc c'était bien. Ça réveille. J'ai l'impression que je vais avoir été bien secoué. Hein. Un peu plus que d'habitude d'ailleurs. Donc maintenant je vais essayer de me tenir à ce que je me suis mis comme programme, c'est-à-dire l'attraction Cars. Si rien ne me happe. Entre temps. Donc là on est sur Hollywood Boulevard. Le petit boulevard qui va donc mener à l'expansion du parc avec le Land Frozen et puis le lac et tout le reste. En tout cas de loin ça a bien avancé. Et donc tranquillement, direction l'attraction Cars, la nouvelle, la refonte de Studio Tram Tour. Donc comme vous ne le savez pas, ou peut-être, je ne sais pas, Studio Tram Tour, l'ancienne attraction qui vous présentait les backstage des studios de cinéma, a donc disparu et donc ils ont tout rethématisé Cars. C'est une toute nouvelle expérience qui se dessine. On va passer par Toy Story Playland. Pas beaucoup de monde. Donc on passe devant le Domino Hall. Un bon point pour des photos. Là, on a Air Serresseur, mais c'est pas pour moi. C'est un peu trop. Et direction Cars, l'extension Cars. Donc, on y accède par donc, le fond de Toy Story Playland, sur la gauche de la boutique Toy Story, qui a donc été repeinte. À droite, on va sur Ratatouille. Et par la gauche, le passage a été ouvert vers Toy Story, vers Cars. Et d'ailleurs, il va falloir que je me mette à apprendre le nom. Hein, parce qu'il a changé. Au début, c'était Cars Route 66. Et puis, je crois que ça a un peu évolué. Alors, pour quelque chose de temporaire, ils y ont mis les moyens. Hein. Donc c'est Car Road Trip, voilà, Cars Road Trip. Ce qui est fascinant, c'est que les gens arrivent en masse. Le
Les plantes sont plutôt jolies. Hein. Donc là, j'ai appris hier que sur cette partie-là, il devrait y avoir un food truck. Et voilà le Cars Road Trip. C'est plutôt pas mal. Hein. Alors c'est vrai que cet espace avec un food truck, ça c'est une très bonne idée. Hein. Quelque chose d'un peu plus en dur, ça aurait pu être bien, mais c'est plutôt une très bonne idée. Alors on entend les pelleteuses derrière cette palissade. Très belle palissade d'ailleurs. On peut voir des belles affiches. Voilà. Et nous y voilà. La fameuse gare de départ. Et voilà l'enseigne. Produit temporaire, c'est très joli. Donc c'est plutôt joli. Hein. On voit le sol est bien travaillé. Hein. Non, c'est plutôt cool. Hein. Pour du temporaire, ça va. Reste à voir ce que l'expérience va nous proposer, mais ça peut être intéressant. Et là, donc, oui, on a tout du long, on a des toits. Ah, c'est quand même très beau. Hein. Le détail des lampes, là, j'aime beaucoup, comme des phares de voiture. Ça, c'est vrai, des phares de Cadillac, choses comme ça. Ouais, c'est vraiment très beau. Ouais, ouais, non, ouais. Comme toujours, j'étais un peu dubitatif, mais non, c'est vraiment joli. Hein. Allez, il est temps d'y aller. Bonjour. Et donc, il y a 20 minutes d'attente. Ouais, non, mais c'est vraiment beau. Hein. On est vraiment au-delà de l'ancienne gare pour Studio Tram Tour. Là, regardez-moi ça. Ça, j'aime beaucoup. Hein. C'est très beau. J'espère que le reste va être cool comme ça. Ah, puis ça fait tellement du bien voilà, d'avoir de la nouveauté. C'est pas grand-chose, mais franchement, rien que ça ouvre des nouvelles perspectives, c'est super. Non, c'est vraiment cool. Sur le devant, il y a des lettres qui reprennent donc le nom de l'attraction avec le logo. Vous allez voir ça un peu plus tard. Non, c'est vraiment super. Même les poubelles, elles sont estampillées. Ah, puis regardez, en forme de crayon. La végétation est vraiment, vraiment très belle. Ah, les détails des poteaux électriques aussi. Hein. Ça, c'est bien vu. Hein. Vous voyez, road trip cars avec le sol en asphalte, en bitume, tout nickel, super beau. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sally et je serai votre guide pour vous faire découvrir la route 66 en compagnie de mon amie Rose Ramirez. Thanks Sally. So excited to check out Route 66 with you. I'm ready to meet it, breathe it, and defeat it. Hola, Cruz. Sur la Route 66, on prend son temps et on s'abandonne au plaisir de rouler. Oh. Les amis, il n'y a qu'un mot pour décrire cet écrou. Ka-chow! The Route 66! She is full of the crazy beautiful things! Ciao! Au revoir les amis! Arrivederci! Les attractions au bord de la route ont été construites pour divertir les voyageurs. Le garage, pardon! Oh, the most garage I've died!
Tower. Far out. So great. We can all experience this together. Ah, mes amis, c'est ainsi que se termine notre petite expédition sur la route 66. Cars Road Trip, eh bien c'est mignon, c'est très mignon. Il y a une belle petite storyline, il y a un effort. C'est vrai que
Bah, y a un peu plus, de personnages, entre guillemets, de voitures, entre guillemets, encore une fois, de grosses guillemets animatroniques, donc qui apportent un peu de vie. Comme vous avez constaté sur les images, bon, c'est mignon, il y a un travail, c'est un bel ajout à l'offre du Walt Disney Studio. Une fois que le food truck sera arrivé, je pense que cette zone là ça sera vraiment une zone vraiment très agréable, très sympathique. Ensuite, bon, c'est pas non plus l'attraction de l'année, hein, mais c'est un bel ajout. Ce qui aurait été intéressant également dans la zone, mais ça peut-être c'est à venir, je ne sais pas, c'est qu'il y ait peut-être quelque chose de bon. Alors après, il y a les affiches qui sont là, qui sont très instagrammables, mais peut-être un autre personnage de la franchise, pourquoi pas Sally, et puis l'autre personnage donc, qui nous accompagne tout du long du trajet, qui soit là en guise de point photo. Néanmoins, beau travail à Disneyland Paris. La végétation tout autour est vraiment très belle, hein, très agréable. Je pense qu'il y a une vraie réflexion au niveau des plantations, des arbustes. C'est vraiment quelque chose à faire en famille avec des enfants. Maintenant, pour continuer dans cette thématique, bah, pourquoi pas aller vers Toy Story Playland ou même voir l'attraction, l'autre petite attraction Cars qui moi me fait beaucoup rire. Me revoici au niveau de la jonction entre Toy Story Playland et Ratatouille. Je pense que je vais aller me faire Ratatouille, voir le temps d'attente. Ah, la place de Rémi, mon Pixar favori. C'est parti, il y a 15 minutes d'attente, donc on va aller se faire Ratatouille. Hein. Voilà, l'attraction Ratatouille fait. Alors, vous allez encore me prendre pour un fou, hein, mais j'ai encore découvert des choses. C'est fascinant. En fait, là, je me trouvais, quand il y a les trois rats avant le début du ride, j'ai vu des choses que je n'avais pas remarquées. Notamment la scène dans la cuisine, la deuxième scène, où en fait, à un moment, on voit Rémi et puis un de ses compagnons qui sont là en train de se dépatouiller. Et tout d'un coup, il y a un coup de balai, hein, pour les chasser. Et c'est là où on part dans les couloirs. Et ça, il ne me semblait pas l'avoir vu. Hein. Donc, c'était encore une fois super. Donc, dites-moi dans les commentaires si j'affabule ou si effectivement, suivant le rat buggy dans lequel on est et suivant sa place dans le début du raid, est-ce que ça influe sur ce qu'on voit? Autre chose, donc là ils avaient augmenté les mesures de distanciation avec notamment des plexis, donc ce qui permettait de mettre plus de personnes, hein, parce que donc au premier déconfinement, à la première réouverture, je m'étais trouvé seul dans le buggy, et en fait là j'étais avec une famille, parce que donc il y avait un plexi qui nous séparait, et également derrière il y avait une espèce de paravent noir, je pense que c'est pour éviter les reflets par rapport au plexi. Donc ça c'est bon, je pense que c'est temporaire tant qu'il y a le protocole. Et également quand on se retrouve à l'arrière, bon, je me pose la question de savoir si en gros le plexi gêne pas quand même un peu la visibilité. Parce que malgré tout, on a le haut du plexi, ça forme par certains moments une espèce de ligne, voilà, qui peut-être un peu gêner. Si vous êtes à l'avant, c'est quand même un peu mieux.
Mais donc, encore une fois, bah, surprise, voilà, surprise pour moi. Donc, ça prouve vraiment que cette attraction, je l'adore. Et si on allait faire un petit tour chez Marianne, voir un peu les nouveautés. J'ai l'impression qu'il y a des promos partout. Ça, c'est plutôt joli. Là, il y a 50% sur la collection Paris. Petit plateau, ça peut être pas mal. Ah non, c'est sur le meuble en fait. Le petit Rémi à l'entrée, il était pas mal. Il est pas grand. En général, Rémi, les peluches Rémi sont quand même super grandes. Moi, j'aime bien les choses pas trop grandes. Ça permet d'en avoir plus et ça prend moins de place. Ah, le thé. Je recommande le thé, il est vraiment très bon. Voilà pour la boutique chez Marianne. Bon, des choses plutôt classiques. Pas de réelle nouveauté depuis la dernière fois que j'y suis passé. Hein. Sauf peut-être encore une fois cette petite peluche de Rémi. Hein. Toute mignonne. Alors, donc, comme je disais précédemment, on va aller voir pour l'autre attraction Cars qui est de l'autre côté pour rester dans le thème. Bon. Après, encore une fois, c'est vraiment dommage qu'il y ait une partie de la thématique Cars ici hein, et l'autre partie de l'autre côté, mais bon, c'était sans doute encore une fois, c'est une question de budget et voilà. Alors, on va voir 4 roues rallye, hein, voilà, qui est plutôt drôle. Bonjour. Je vais essayer de gagner la coupe piston. Donc j'avoue que j'étais pas forcément très fan de Cars et puis j'ai découvert le numéro 2. Hein. Le numéro 2 ou le numéro 3, hein, je sais plus. Hein. Celui où il y a des espions. Il y a une grande storyline d'espionnage. Et celui-là est vraiment super cool. J'en ai fini de Cars 4 roues rallye, hein, donc j'ai évidemment gagné la coupe piston. Hein. C'est fascinant parce qu'il y a des fois, on a vraiment l'impression qu'on va percuter les autres. C'est vrai que ça, c'est un effet que j'avais pas fait attention jusqu'à présent, mais
des fois c'est assez saisissant et c'est vrai que dans le tournis, il y a des fois également où le tournis est un peu plus violent que d'autres. Donc si c'est à ce moment-là où on se rapproche d'autres voitures, la sensation de percussion, non on dit pas percussion, de percutage non plus, enfin bref, vous m'aurez compris, elle est encore plus importante. Donc mignonne petite attraction. Hein. Ensuite, est-ce que j'irai pas faire les tapis d'Aladin? Allez, hop, tapis d'Aladin. 5 minutes. Cette attraction où, suivant les castes, on a le droit de filmer, on n'a pas le droit de filmer. Mais j'avoue que les tapis d'Aladin, ça permet de prendre un peu de fraîcheur. L'idée de cette attraction, c'est en gros le tournage d'une scène, de la scène mythique du tapis, avec comme metteur en scène le génie. Là encore, on est vraiment dans l'idée du studio de cinéma et d'un classique d'animation. Bonjour, une personne. Merci beaucoup. On a de nouveau retrouvé ces merveilleux bronzes avec donc comme vous pouvez voir on a Dumbo, Pinocchio, Mulan, Dionysos de Fantasia, Tarzan, Mickey évidemment, le chef, Hercule, Donald, Esmeralda, Bray, Bunny et le génie. Superbe statue. Hein. Et également sur les panneaux, hein, on a la publicité pour Luca. Luca, si je prononce en bien avec l'accent italien. Donc qui devrait arriver bientôt ce mois-ci sur Disney+. Luca de Pixar. Hein, histoire d'un. Un petit mermen, un petit triton, voilà, Luca et son petit compagnon là à l'avant du scooter qui découvre le monde de la surface dans une petite ville d'Italie, ça promet d'être magnifique, j'aime beaucoup. Voici la plus fashion de toutes, notre chère amie Cruella. Voici ce petit moment de surprise que nous a proposé
et Walt Disney Studios. Plutôt bien vu, alors que le film Cruella, évidemment, est déjà sorti partout sur les plateformes aux États-Unis et que nous, en France, il devrait sortir au cinéma avant Disney+, évidemment. Donc, non, c'est cool, ça anime, voilà. C'est pas une parade, mais c'est quand même un petit plus. Après, est-ce que une version Cruella comme dans le film aurait pas été un peu meilleure? Bien vu? Bon, je ne sais pas. Ça aurait certainement participé à la promotion du film. Mais en tout cas, merci. Et donc là, de retour au studio 1, où je vais aller regarder ce qui se passe dans la boutique. Donc évidemment beaucoup de Marvel. Toujours beaucoup de Marvel. Alors la station pour fabriquer son sabre laser a disparu évidemment. Voilà, les Baby Yoda, du Groot, non, pas Groot, Grogu. Oh, super, entre Groot et Grogu, on fait pas la différence. Très beau Millennium Falcon de chez Toy Box. I love you, moi aussi, I love you. Alors là, c'est des espèces de maquettes à construire pour ceux qui sont doués. La forme de la tasse est plutôt jolie. Un peu Star Wars ici. Oh, sympa la petite veste. Hein. On aime bien les cuissons hot et Naboo. Je me demande s'il y a un détail derrière. Et oui, évidemment. Batou. Parce que nous aussi, on aura la chance d'aller sur Batou. Les paris sont lancés. Du sabre laser, toujours en stock, de la Jedi Training Academy. Confiserie, pèse. Des mugs à n'en plus finir. Ouais, des mugs, on adore les mugs. Voilà à peu près ce qu'on pouvait trouver dans la boutique. La boutique Pandora également, pour les fans. Je pense que ça va être tout pour les Walt Disney Studios. Je vous ai à peu près montré ce qui pouvait se passer. Walt Disney Studio plutôt calme. Est-ce qu'il est bien utile d'aller à la Walt Disney Studio Store? Ah, peut-être pour voir la collection Pride, j'aperçois le Spirit Jersey. Il va peut-être y avoir plus de produits. Hein. Oui, il y a les Spirit Jersey qui sont là. Bonjour. C'est de l'autre côté. Ok, merci. Oui, protocole Covid, c'est une entrée, une sortie. L'une ne fait pas office pour l'autre. Ah, et donc il y a la queue, évidemment.
Bah alors, non, on va éviter. On va a priori retrouver la même chose dans le parc principal. Donc, c'est dans ma boîte, that's a wrap, comme on va pouvoir dire. Donc, c'est la place des Frères Lumière, voilà. C'est pas forcément la... Moi, j'avais tendance à l'appeler la place de Frontelot. Mais en fait, non, c'est plutôt la place des Frères Lumière. En hommage aux Frères Lumière, évidemment. Allez, en direction de Disneyland.